Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur YouTube. Oui mesdames et messieurs, nouvelle ranked avec moi-même, avec Geria. Bonjour, incroyable. Nous nous retrouvons en ranked tout de suite, mid luxe pour un petit gameplay tranquillou. Donc on a fini les matchs de placement, malheureusement j'ai pas pu tout record. On a fait 7-3, 7 victoires, 3 défaites et on est passé plat 5. Alors il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils n'en reviennent pas, que je passe de gold 3 à plat 5, etc. Je vais réexpliquer pour les gens qui n'étaient pas au courant. En saison 4, j'ai fait mes matchs de placement. Je crois que j'ai fait 6-4. J'ai pop gold 1. J'ai joué quelques ranked ensuite. Monté, je me suis arrêté. J'ai fait un BO pour passer plat 5. Ce BO là, je crois que j'ai fait 2 wins, 3 défaites. Enfin, genre 3 défaites. Du coup, je n'ai pas eu. Je suis redescendu à 90 points. Je suis remonté à 100 points. Et à partir de là, j'avais fait allez, une vingtaine de games en ranked en tout cas. Et j'ai arrêté. J'ai arrêté de jouer pendant 8 mois. J'ai arrêté de jouer à League of Legends en ranked. Du coup j'ai été demote chaque mois, chaque semaine, je perdais, jusqu'à me retrouver Silver 1. Néanmoins mon MMR ne s'est pas retrouvé directement impacté. Votre MMR baisse mais très légèrement. C'est surtout votre classement qui baisse. Du coup c'est quand j'ai commencé à reprendre entre guillemets un petit peu les ranked de temps en temps, etc. en Silver. Ce qui était marrant c'est que je jouais avec des low plates. D'accord, des hauts gold et des low plates. Donc ça ne changeait pas grand chose si vous voulez à ce que je faisais. C'est juste que mon MMR n'avait pas bougé. Donc voilà, en fin de saison j'ai rejoué en ranked. Je suis passé donc suivant à gold 5. De gold 5 on a fait que des wins. On est passé dans un BO pour passer gold 4, mais on est passé gold 3. Et en gold 3 on a fait genre un truc comme, comme 8 wins, 3 défaites, un truc du genre. Et derrière on était en BO pour passer gold 1 au final je pense. Là dessus pour retrouver en fait le vrai classement que j'avais avant. Donc, c'est pas réellement gold 3 dans les faits, dans la théorie, mais sur le papier j'étais gold 3. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on était passé plat 5. Je ne sais pas préciser si ça joue, mais c'est peut-être possible. Voilà mon explication en tout cas la plus rationnelle à ce jour. Donc voilà, en gros j'ai souillé le MMR, exactement c'est ça, j'ai couillé un peu le monde. C'est juste que je n'ai pas joué parce que je ne jouais pas en ranked. Donc voilà. Alors certains diront que oui, c'est n'importe quoi que je sois plat 5. Bien à vous. Enfin moi je m'en bats les couilles d'être plat 5, gold, silver, bronze. Je m'en bats les steaks, hein, honnêtement, je m'en bats les steaks complètement. Mais voilà, c'est comme ça. Après bon, c'est vrai que je me suis fait PL. Voilà, j'ai donné mon compte à LRB, à Domingo. Donc ils ont fait tous mes matchs de placement. Du coup voilà, c'était un peu grillé puisque bah non pas du tout, j'étais en stream. Du coup on va repartir, on va voir comment ça se passait pour cette game là. Il arrive à faire des mauvaises games hein. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient là sur le stream hier, on a fait une game avec Nidalee où j'étais dégueulasse, oh je pue la mer. Et donc ça arrive bien entendu de temps en temps. Alors on y va, on est parti. Donc sorti une luxe, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c'est vrai que luxe c'est un perso que j'aime bien au mid. Mais face à un Fizz sur ce patch 5.2, n'est-ce pas, qui a été nerf, hein, Fizz qui a pris quand même un nerf familial, pas trop dégueu. Donc on verra si je peux m'en sortir. Après moi je vous avoue, quand je joue luxe et que j'ai un Fizz en face, j'aimais pas trop. Merde, my bad. Et là je vais perdre celui-là aussi. My double bad. On va en profiter pour agresser. Ouais, ok ma gueule. Ok ma gueule, donc là on a perdu les last hit, hein. C'est triste. RT6 c'est triste. Ouais. Je l'ai pas eu, je l'ai pas touché le petit Fizz. Je l'ai pas touché le petit Fizz. Hein ouais. Ok ça par contre j'ai eu cette fois. Oh non, je l'ai pas eu. Bon mauvais. Mais les autos qui passent encore une fois. Voilà l'auto qui passe. Bon ça arrase tranquillement. Ça peut aller. Donc là on lui empêche de régène comme il veut. Hop, c'est bon. Merde. Par contre je récupère rien en last hit hein. Non, dommage, j'ai flash. Ouais il est mort. Non. Oh non. Oh je suis au fond, j'ai heal, oh putain. Non. Ils m'ont flash in, ils m'ont go in, ils m'ont tout mis. Comme il a mis son E, je me suis dit ça va peut-être passer. Mais non, il s'en sort, la touche, la tour ne l'aura pas tué. Oh man, c'est pas sérieux ça. Fou. Bon j'avais pas mon niveau 3, donc malheureusement j'avais pas de shield. Derrière, on s'est fait chauffer hein.
On s'est fait choper. Exactement, je gagne des ranked que quand il est support ou quand il duo queue avec Sky. Exactement. Faut savoir que les duo queue avec Sky, j'ai perdu plus de game. J'ai perdu plus de game avec Sky qu'en jouant solo. Parce que quand on joue avec Sky, c'est que on est. Enfin, genre généralement on s'amuse, donc on rigole, etc. On perd, j'ai perdu. Toutes les games que j'ai perdu, c'est le plus avec Sky en tout cas. Vraiment, en plus c'est pas une blague. Hein. C'est vraiment pas une blague. Donc voilà, enfin ça c'est pour la petite info. Au cas où. Mais bien à vous. Alors. Bon là on s'est fait baiser hein, putain. On sait pas qui l'aurait la portée déjà de Mustang, notre chien maigre. On casse un peu les couilles. En tout cas on a bien farmé MDR. On est grave bien là, on est grave bien pour l'instant. Ça va nous mettre comme il faut. Ouais. Ok. Donc on va wait, on va essayer de farmer tranquillement et d'arras le fizz dès qu'on le pourra. Bon après je ne sais pas, honnêtement j'ai pas vu de fizz depuis le patch 5.2. Je pense pas que ça pue la merde, mais je pense que c'est juste moins fort. Après on verra si s'il va me défoncer ou pas. Bon toujours le SS hein, quand même qu'on annonce les gars. C'est important pour l'équipe, pour le bien de l'équipe. Voilà, c'est bon, on a pushé un petit peu. Toujours le petit SS, frérot de la street. Non, je vais pas l'avoir. Ah, c'était sûr, avec la Kata là qui attaque comme une mongolienne. Casse les couilles ça. Ok, il a pris son niveau 4. Touche encore. Ok, il y a les sbires. Ouais, gros. Je recule, t'inquiète Jana. Comptez pas y aller comme un débile. Problème c'est que... je peux pas trop bouger, j'ai pas de ward, j'ai pas de vision sur le dessus. Donc je ne sais pas trop. Ouais, Panthéon mid. Ok frérot, merci de l'info, on va rester en arrière. Surtout qu'on a plus de flash. Là c'est logique que le Panthéon essaye de venir sur cette mid lane. On a plus de flash, on a Lux, on a pas de perso à escape. On risque de se faire pisser dessus. Alors si la vibe veut passer, je vais juste rester à côté pour récupérer l'XP, vous voyez. Voilà, putain il est encore là. Putain mais c'est pas vrai. On va se faire pisser dessus. Et voilà, et c'est reparti. Oh putain j'en peux plus. Bon, c'est logique, il est passé par derrière. La vaille est arrivée un peu tard malheureusement. Bon, eh ben écoutez, on est bien en tout cas, hein, vraiment, je pense qu'on va passer une très très bonne game. Ouais. En tout cas, ça va être grave cool, hein. Putain. Le camping de la mid lane. Le camping de la mid lane. Mais c'est logique. Après, c'est logique, comme j'ai dit. Mec, j'ai Lux, tu vois, j'ai pas de flash. Je vois pas pourquoi il irait sur une autre lane alors qu'il peut récupérer des kills sur la mid lane. Donc ça va. Le fils est à 2-0, 27 creep. Écoutez, il fait sa vie, hein, il se fait bien. Bon, je pense que je vais juste hug la tour. Vraiment. Genre, je vais pusher. Non, je vais même pas pusher. Je récupère la site. Et puis, on va rester sous tour. Donc, un gameplay vraiment ouf. Hein, vraiment dingue. Ça va être vraiment génial. Hein. Allez. Oui. Bien joué, petit last hitting. Ouais. Donc, on n'aura pas trop le choix. On essaiera de récupérer des kills par la suite. Celui-là, je l'aurais pas eu. Là, je vais l'avoir. Ok. Je peux juste auto. Bon, moi, je m'approche pas, je sais pas où est le Panthéon. Donc, vu que j'ai pas de ward. Il va revenir par en bas très certainement, mais le poser noir d'ici. Regardez, Panthéon donc est ici. Il a pas trop de vie. Ok, ça touche. Je vais juste rester en arrière. J'ai mon flash, j'ai mon heal. Ouais. Ok, on a l'ulti. C'est parfait. On a le niveau 6. On pourra peut-être décaler par la suite. Ouais. Donc là, on l'a bien vu. Hein, le fils, il a claqué son Z. C'était pour ma gueule. Juste des autos. Ok. Encore une auto. Non. Pourquoi tu prends tant de dégâts? Hein, le sbire? Merde, voilà. Casse les couilles ce mec. Tu m'as fait chier là, hein, Fizz. Tu m'as fait chier là.
Pire, c'est que j'ai utilisé mon flash, mais je pense pas que ça passait derrière. That it box. Ouais, 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 ok. Ouais, 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 ok, fils. That it box. Yeah, 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 t'inquiète. T'inquiète, ma gueule. Hitbox OP de luxe, fils. Bon, on a réussi à récupérer un kill. C'est bien. C'est bien. On va rester au mid tranquillement. On va pas pusher. N'est-ce pas? On va rester juste là. Voilà, c'est bon. Et on va attendre parce que le Panthéon. Non! Mais putain, sbire de mort! Pourquoi tu vas sous la tour? Débile! Débile le sbire! Bon, y'a le blue buff. Yeah, 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 ok. Ouais, 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 t'inquiète. Non. C'est que j'arrive pas à récupérer mes lastites hein, avec des autos. Non, ok. Vas-y, je vais péter un câble. En tout cas, moi et les lastites, hein, je suis trop trop chaud en tout cas. Ça fait super plaisir. Simmer, frérot. Ouais, thank you. Thank you, dude. Toujours aussi bon au niveau du last hitting, hein, pouvoir 44 creep à, 9, à 10 minutes de jeu. Trop trop bien, trop trop chaud. Ok, on l'a eu. Ah, moi je suis vraiment une merde hein, en last hitting. C'est vrai, c'est pour ça que j'aime pas trop la mid lane. Enfin, j'aime pas trop. Si, j'aime bien. Mais j'aimais bien à l'époque où c'était beaucoup plus agressif, vous savez. Parce que maintenant, ça se rentre plus sur un match-up passif, un match-up farming. Et à cette époque-là, où c'était beaucoup plus agressif, je trouvais ça très très sympa. Attention, là, ça bouge un petit peu. Ouais, bien joué. Ouais, il a eu. Oh putain. J'ai pas eu l'assist. Est-ce qu'on push ou pas? Est-ce qu'il va le pusher? Et boum, frérot! T'as cru quoi? On a claqué le heal direct avant qu'ils mettent l'anti-heal. Le cul de... Non mais attends mec! Alors il rage parce que je lui ai mis la cage. Mais je comprends pas en fait, parce que pour le coup ma cage était... Enfin genre il était à côté de moi, c'était genre corps à corps quoi, frérot. Je vois pas en quoi c'était ouf le fait qu'il prenne ma cage là-dessus, sur ce move. Alors que le mec était juste à côté de moi. Enfin, c'était même logique en fait. Non, je sais pas, peut-être qu'il y a des choses que je ne vois pas en tant que luxe. Voilà, peut-être que je me voile la face. Je ne sais pas. Peut-être que la cage n'était pas du tout sur lui. J'en sais rien. Mais si, chez moi, elle était dessus. Hein, donc. Ok. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ma gueule. Et là, on peut back. Très bien joué. On a récupéré un petit peu de last hitting. Même si c'est pas ouf, ouf. Et c'est bon. Bon, on a récupéré une assist. On n'a pas eu le kill. Non, moi, je vais rester tant que j'ai le blue buff, moi perso. Le blue buff est bientôt terminé. On a l'ulti. Ok. Là, il a esquivé. Là, tu l'as esquivé. Là, c'est normal. Là, c'est bien joué, tu vois, de ta part. Là, ça touche. Là, j'ai pas trop de stuff après. On est d'accord, les gars. J'ai pas trop de stuff. Je vais pas m'approcher. Mon blue buff est terminé. Moi, je vais juste back. Là, j'ai pas. Attends, quoique Panthéon est sur la top lane. Est-ce que je reste encore? Pas trop de stuff. Il a combien? Ouais. Il en a un peu plus que moi hein, pour le coup. Et j'ai plus de summoner. Hein. Ok. Ok, les petites autos. Non? Oui! J'ai eu la cata! Ouais, frérot! Ouais, les autos qui passent encore une fois. Ça, c'est bien, ça, c'est cool. SS peut-être? Non, c'est bon. Ouais, ouais, bien joué ça. Le trash qui a tenté de me mettre le grab de l'infini. Mais c'était sans compter sur mes clics partout à droite et à gauche. Ouais, ouais, ouais. Attention, les gars. Donc, on a trash sur la mid lane. Un petit trash, un petit chien maigre. Alors, trash, on veut me faire du mal. En tout cas, cette cage était magnifique. Hein. La meilleure cage de ma vie. Je me suis dit, il va partir vers le côté. Pas du tout. Trop, trop belle ma cage. Non, non, c'est ça que je veux attaquer, voilà, merci. Ok, on est bien. Ok, on s'en sort bien. On s'en sort bien, honnêtement, ça va. Moi, je back. Je BRB. Simmer, frérot. Petit ulti, hein, histoire de récupérer des kills. Bon, j'ai vu qu'il était en mauvaise posture. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Attention, ça vient sur moi. Non, ça vient pas sur moi. C'est bon, on a 3000 gold, on a Morello direct, on va pouvoir acheter les bottes également. Donc là on est bien, l'équipe en bas
La botlane qui est apparemment assez chaude, qui s'est mis bien aussi. Donc ça devrait le faire, voilà. Écoutez, on a ce qu'il faut. On va peut-être partir sur un Zozo après. On va peut-être partir sur un Zozo. Hein ? Ce sera très bien. Le KS de la vie. Oui, oui, oui. Le KS de la vie. C'est pas un KS, les gars. C'est une offrande. C'est une offrande de mon équipe. Afin que je puisse me mettre bien. Ouais, 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 le SS, hein, bien sûr. Je viens de le donner actuellement. Trop, trop cool. Parce que mon mate est grave content de la prendre. Super. Ok, c'est bon. Le Drake est à 2 minutes 37. On a encore un peu de temps. Ouais. Ouais, s'immerge, Anna. Elle va peut-être remonter, hein, frérot. Ouais, c'était sûr, hein. À peu près sûr. Et ouais, frérot. Encore une fois, les autos. Ouais, ouais, encore une fois. Les autos, ouais, ouais, ouais. Bon, il y a le blue buff, hein. On va peut-être aller chercher après. Ok. Donc il a claqué ses trucs, il a claqué son flash. Ok, la cage. On va aller là, mec. Non? No way. No way. Bon, bah écoutez, la vaille, hein, qui a fait un gros taf, hein, qui est venu le chercher. J'ai mis une cage, ça l'a tué. Bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À partir de là, hein. Tout va bien. Thank you, man. Parfait. On repart en mid. Donc là, Jana voulait prendre la tour, je pense, mais Mais j'ai préféré prendre le bleu pour l'instant. Qui me semble être une meilleure alternative. Enfin, une meilleure idée, pour moi en tout cas. Pour moi, mon petit bleu. Ça fait toujours plaisir. Mais Jana, c'est, je trouve ça tellement fort quand c'est bien joué. Vous voyez, moi qui main support, par exemple. Eh ben, j'aime pas trop Jana. Je sais pas, c'est pas mon kiff, moi, Jana. Ah, ok, là, je suis mort. Waouh, ok. Le mec m'a one shot. Oh là, c'est incroyable, il m'a one shot. Ah, Fizz got a nerf. Elle est ma où. Bon, eh ben écoutez, en tout cas, c'est un plaisir de jouer face à ce Fizz, hein. On a bien vu que là, il a pris son nerf, hein, le mec. Il a pris son nerf. Est-ce que je fais de la... Est-ce que je fais de la RM? Est-ce que je fais de la RM maintenant? Oui, non. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sens qu'il va me casser les couilles, non. En vrai, je vais faire de la RM. Je viens de perdre mon blue buff. Je suis bien deg. Je suis bien au fond. 20% de dégâts en plus après le fish. Exactement. C'est ça qui a été changé sur Fizz. Fizz a été nerfé sur certains points. Mais le poisson a changé. C'est-à-dire que quand il vous met le poisson pendant 6 secondes, il fait 20% de dégâts supplémentaires sur la cible. Donc sur celui qui a pris le poisson. Donc là, on les a sentis, hein. Et en plus, j'ai claqué le heal après le debuff de vie. Donc malheureusement, c'était un peu un problème, quoi. Voilà, c'est bon, on a l'outil niveau 2. On va peut-être aller sur le Drake. Bien joué de la part des collègues. Fizz, il est à combien? Il est à 3-4. Parfait. Bien joué, les potes. Deuxième Drake de la game. On se met bien. Apparemment, ça va être Chase, hein, sur la bot lane. Merde, c'était pas le bon. Bon, attention, est-ce que Fizz va arriver encore une fois? Je crois que ça SS un peu là, faut que je fasse gaffe à mon cul derrière. Je vois qu'il y a la vaille vers moi. Ah putain, mais c'est truc de mort, quoi. T'es sûr? Putain, mais fous-moi la paix, Fizz! Fizz! Non! Putain! Mais Fizz! Il me casse les couilles, ce fils de mort! Il a pas touché avec le poiscaille.
Voilà, on a vu qu'avoir de l'ARM, ça faisait quand même du bien hein, sur ce fight. Bon, c'était compliqué. J'ai pas pu tuer le Jace. C'est la Vi qui a récupéré qui, mais ça c'est pas trop grave. C'est pas un souci. D'ailleurs, Vi qui joue sur quoi? Qui joue quoi comme stuff? Bon, elle est partie tanky, elle va faire un rendu 1. Donc ça va. C'est pas non plus la mort. Ça reste serré, hein. Ça reste serré. Le fils de Fizz. Ah oui, il est horrible. Le nerf de dingue. Oh, à ma voix. Oui, j'ai une voix de crooner aujourd'hui. Non, c'est juste que j'ai trop gueulé, je pense, ces derniers temps. Et je pense que voilà, hein, ma voix n'en peut plus. Je vais écho. Un maximum de gold, de goldess. Pour essayer de partir sur une grosse baguette. En tout cas, gros farm de ma part. Hein. On voit déjà 20 minutes sans creep. Pff, un truc de dingue. Merci à tous. Oh la Diana là, elle est pas bien. Oh la Poiscaille qui passera pas en plus. Bien joué ça. Ouais, là Jana par contre tu vas pas trop t'en sortir si tu fais ça. Ouais. Je l'ai pas eu. Reviens Jana, wesh. Ok, très bien. On va essayer de récupérer un peu de gold quand même. Oui d'accord, Vi. Tu sais que Vi elle est énervée par contre, hein, mais vraiment. Genre Vi elle est clairement pas là pour rigoler, pour plaisanter. Elle est pas là pour se taper des barres. Hein. Sors-le frérot, ouais. Pour la vaille. Ok, bien joué. Bien joué gros. Donc ça a l'air de vouloir pusher. Voilà. Si on attend là, on peut faire un truc peut-être. Oh la chatte. Non. Oui. Le shield. Ouais mon gars, bien joué. Bien joué. J'ai loupé ma cage. Pas assez de dégâts derrière. Oh putain sa mère. Oh putain. Ça c'était chaud par contre. Wajana. Wajana shield of course. Non le pire c'est qu'il n'y a même pas eu de shield. Bon, il y a le Graves est toujours là, il y a le Jace là-bas. Bon, ça bouge pas. 6 HP, Graves. Quoi, 6 HP? Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, peut-être le fils qui va descendre. Hein. Quoique, il est pas vers là. Bon, c'est bon. J'arrive, frérot. J'arrive. En tout cas, j'ai bien récupéré des creeps. Hein. 110 creeps. Ça fait genre 2 minutes que je suis sur le terrain, les gars. Je suis rentré. Joueur numéro 12. Et j'ai récupéré à peu près 3 lastites. Hein. Trop bien en tout cas. La petite bombe. La petite bombinette. Voilà. 54 gold. Oh putain, il m'offre les 54 gold. Trop bien ça par contre. Oui! Mon ennemi has been slain encore. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête plus en tout cas. Bon bah écoutez, on est bien. On est pas, enfin on est bien. On est pas trop mal. Là j'ai de quoi récupérer la grosse baguette. Moi je vais bouger. Hein. J'ai le blue buff frérot. Non, honnêtement avec le blue buff, on va aller récupérer la grosse baguette. On aura un peu plus de dégâts. Et ce sera déjà ça. Ok. Bon, jetons ça. Qui c'est qui est mort? Oh non, Tristana. Non, Tristana, t'es morte. Fizz. Et là, putain, peut-être un petit ulti across the map. Non, on aura pas la vision. Dommage. Ouais. Allez, on repart. Bon, on a le blue buff. On peut utiliser l'ulti à foison. Mesdames et messieurs. Oh la trèche. Pose des wards lui. Lui, il pose des wards. Ouais. Ouais. C'est bien ça. C'est bien ce que je fais comme ça. J'enlève cette pink ward. Je suis un petit malin, moi. Ouais. Et ouais. Drake, 22 secondes. 22 secondes le Drake. 22 secondes le Drake. On va peut-être avoir un team fight. Les gars. Un mec qui s'approche. Je peux peut-être le cage. Qu'est-ce que vous faites? Venez vers là.
Putain, mais ça touche pas la cage. C'est une blague. C'est une putain de blague. Moi j'ai un problème avec les cages en ce moment. Je pense que toute, aucune de mes cages ne peut toucher. Je pense que c'est une malédiction en effet. On l'a eu, bien joué ça. Voilà, ça c'est bon les gars. Oh j'ai tué les deux. Oh j'ai tué les deux avec mon ulti. Le double kill, sans le vouloir frérot. Oh c'était le bon moment. Oh c'était le bon moment. Oh c'était le bon moment, le double kill. Sortez de nulle part. Putain, incroyable. La chatte, vous avez vu la chance. La chance que j'ai eu là. Random hein. Mais un ulti je me dis je vais tuer le très acheté. Pas du tout, j'en tue deux. J'en tue deux, je mets le Panthéon à 2 PV qui permet que derrière on le récupère. Trop trop bien. Trop fort les gars. Et presque le triplé, ouais. Alors presque le triplé avec un ulti, ça c'est cool hein. Voilà ta flash, mais l'auto-attaque frérot. Ouais ouais ouais. L'auto-attaque alors que je l'avais marqué. Marqué d'une pierre blanche. Ouais. Ouais, bel ulti. Bien joué. Tiens, Fizz. Fizz. Tiens, Fizz. J'en mets pression. Ça bague du côté de la vaille. On va pas tenter le diable, on va s'en aller aussi. Allez. Bah écoutez, tant mieux. J'ai envie de dire tant mieux. Tout ce qui se passe, c'est que du bonheur. On va aller faire un petit Zonia, moi. Petit Zonia. Je dois quand même de l'AD en face. Il y a le Panthéon. Et derrière, derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir maintenant, nous, sur une Rabble Hole. Puisque le DFG n'existe plus, hein, oui malheureusement, DFG, paix à son âme. Enfin, c'est vraiment triste quand même qu'on perde ça. Mes cages, vous avez vu mes cages? Elles sont trop trop bien en tout cas mes cages. Mes cages elles sont... Fabiban n'y vaut rien par rapport à J. Bah hé les gars, en même temps là, waouh, ok, double, double kill à l'outil. Très très peu de personnes peuvent se targuer d'avoir fait ça. Hein. En tout cas c'est bien mon perso qui a décidé d'arrêter d'avancer, trop trop cool. Ok, let's go. Non, en vrai, il y a des caches par contre que j'ai essayé de mettre qui passent pas, genre non quoi, non. Ah, c'est peut-être la fatigue, ces trois derniers jours, hein, je suis très très fatigué, du coup c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être la fatigue, tu sais, l'excuse de la fatigue, ouais ouais ouais, je pense que c'est la fatigue, ouais ouais gros. Ah tu vois, elle touche la cage, bon. Alors, est-ce que tu vas aller chercher Slastite? Et non, tu vas pas aller chercher. Et ouais mon gars. Ok. Non. Ok. Bon, je récupère les kills hein. Genre moi, mon équipe font tout. C'est ça l'avantage de mon équipe aujourd'hui, c'est qu'ils font tout. Là je me fais porter. Ils me prennent sur leurs épaules là actuellement. D'accord ? Mais après ils n'arrivent pas à concrétiser les kills. Et donc là, c'est là que j'interviens. C'est là que j'entre en scène. Ok. Oh là là, Diana. C'est vrai que Diana par contre on l'a pas trop vu aussi. Ça c'est la malédiction du top laner en même temps. J'ai envie de dire. Ouais. Pas trop plus. Eh bien écoutez, en tout cas c'était un plaisir. Nicolas Cage. Oui. Mais ça fait penser à la game avec Morgana. Ah oui, bah je remets ma warm. Ça fait penser à la game que j'avais faite avec Morgana. Trop trop bien, bien sûr. Ma game avec Morgana, c'était quand même n'importe quoi. Hein. Genre, je touchais personne. Là, c'est un peu le même style, quoi. Ouais. On va chercher le Boubouf. On va aller chercher le Boubouf, ok. Bon, il a voulu prendre la tour. C'était pas si mauvais hein, ce qu'a fait. Ah, mais il a pas prise. Oh non, la non-chance. Ah, je pense qu'il a. Ah, ouais, je pense qu'il a le seum par contre. Ok, c'est bon. Allez, rentrons au bercail. Donc là, on a 1000 gold. Bon. Qu'est-ce qu'on peut aller récupérer? Est-ce qu'on ferait pas... Non, je pense qu'on a pas assez. Si, on a assez. J'allais dire, est-ce qu'on ferait pas ça? Mais ça, c'est pas si dégueu, au final.
Ça, c'est pas si dégueu parce qu'il y a le fizz. Bon, bah, ça me va, ça me va. Ouais, je vais prendre une petite ward quand même. Au cas où, au cas où. Parce que là, ma trinket laisse un peu à désirer. Et on va repartir. Il paraît que ces spells sont inspirés de Morgana. Donc, bon, oui, un petit peu. La petite flaquette ici. Bon, le petit shield est là, ils ont changé, hein, c'est un shield différent. Une petite cage ici. On a que l'outil qui, hein, qui est différent. C'est une grosse vague de lumière de dingo. Allez. Qu'est-ce que ça fait? On va faire un Nashor, les gars. Petite ward, vous inquiétez pas. J'ai wardé, hein. J'ai wardé. Et vous? Et le shield. En plus, il y a Graves qui bot lane. Donc là, tu dirais qu'ils sont pas très bons. Bah, parfait. Oh là, le fizz. Oh le fizz. Oh le fizz. Oh le fizz. Oh my god. Oh fizz. Fizz. Bien joué, ça. Très très bien joué. Oh, il était tout seul hein, sur la mid lane. Ça semble compliqué pour lui. Bah, écoutez, là, l'équipe a suivi. L'équipe a tout fait. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Une équipe de dingo? Ah, il a flash. Ok. Bon, il a foncé dans mon ulti là. Hein, on est d'accord, on peut dire ça. Il était dans mon ulti, il s'est jeté dedans. Il s'est dit mon dieu. Ok. Waouh! Waouh, ça plaisante pas. C'est le GG. GG. Bah écoutez, que dire de plus? Cette game a été. A été très très bonne. A été très très bonne. Une très bonne équipe qui ont fait le café là pour le coup. J'ai pas grand chose à dire. Moi je suis mort. Je suis mort deux fois sur la mid lane. Après j'ai réussi à tuer le fizz. Donc j'ai essayé de revenir un petit peu. Dans l'ensemble ça allait. Voilà, c'était juste correct. C'est pas une game de folie de ma part en tout cas. C'est pas. À part bon, j'avoue ce petit ulti qui fait double kill. Ouh là 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 là. Ça c'était dingo. Ouais, on fait 31 points d'accord. 31 points en plat 5. Ce qui honnêtement est pas dégueu. Est-ce qu'on est sur des matchs de placement en face ou pas? Ah oui, ça ne monte même plus, d'accord. On ne monte même plus. Bon, un petit win, 31 points gagnés là-dessus. Ouais, par contre, qu'on n'a pas fait tant de dégâts que ça. Hein. Moi, j'arrivais pas. J'étais pas dans les fights, moi. J'étais plus sur les côtés, tout ça. Donc, c'était pas dingo, voilà. Mais bon, on a réussi à faire le truc. Plus 31. Pas dégueu. Merci à tous encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez laisser des petits pouces verts familiaux en bas de la vidéo comme d'habitude et me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Est-ce que je me suis fait vraiment porter comme ça jusqu'au bout? Alors moi je pense que je me suis fait un petit peu porter cette game, mais que dans l'ensemble je vais pas non plus niquer la game hein. Ça allait, il y avait le fizz, il était chiant, mais on a réussi à s'en sortir. Merci à tous, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne Jiraya et Skyard. Pour ceux qui sont en stream, on se retrouve dans quelques instants. Ciao.